On commence avec la première partie avec Maxence. Te voilà caché derrière moi. Je vais te donner la parole, mais effectivement, juste avant, il y a une petite vidéo que Michel Rivasi a réalisée pour nous aujourd'hui. Et donc, on va commencer par une petite vidéo de Michel Rivasi qui pense très fort à nous et qui malheureusement n'a pas pu venir. Mais bonjour à toutes et à tous. Et vraiment désolé de ne pas participer avec vous sur cet événement concernant les électro-hypersensibles. En tout cas, je voulais vous donner quelques messages. D'abord, tout mon soutien. Je m'aperçois qu'ici, au niveau du Parlement européen, quand on parle des EHS, eh bien, on s'aperçoit que beaucoup de gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque d'informations concernant la réalité d'une part, des symptômes liés aux électro-hypersensibles, qu'il y a un lien avec la pollution des ondes électromagnétiques et qu'il faut pousser à ce qu'il y ait une véritable coalition, donc ce qui est en train d'être fait, sur le plan européen, de toutes les associations concernant les EHS. Ça, pour moi, c'est une priorité, bien sûr, qui doit être suivie par l'organisation d'un colloque européen sur les EHS. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de textes qui sont discutés au niveau du Parlement européen sur les gigabits et toutes les infrastructures liées à cette organisation pour avoir accès justement aux données. Et dans les textes qui nous sont soumis, nous, en tant que parlementaires, on s'aperçoit qu'il y a cette volonté d'une part d'harmoniser sur le plan européen, mais en enlevant le pouvoir au niveau des États membres, en enlevant le pouvoir au niveau des autorités locales. Il y a une espèce de mainmise entre la Commission européenne et les opérateurs de téléphonie mobile pour créer vraiment un hub, en quelque sorte, européen, concernant tout ce qui est connexion. Donc nous, au niveau des Verts, on va essayer de faire passer toute une série d'amendements pour exprimer le fait qu'il puisse y avoir des gens qui sont sensibles au rayonnement électromagnétique, que ça constitue une pollution, qu'il va falloir diminuer l'exposition et qu'il va falloir redonner le pouvoir aux autorités locales. Il va falloir redonner aussi la possibilité des États membres d'avoir des normes plus basses que celles qui sont proposées par l'ICNIRP, qui est vraiment un organisme pour moi qui n'est absolument pas indépendant et qui en plus ascientifique. De l'argent est donné par la Commission européenne sur, on l'a vu sur la 5G, mais maintenant c'est sur la 6G. Il n'y a toujours pas d'études d'impact social, environnemental, et qu'on a enlevé toutes les consultations citoyennes sur ces gros projets qui sont faits concernant la connexion. Et troisième chose, c'est que on a des alternatives. Ces alternatives, on peut très bien être connecté, mais sans avoir une pollution électromagnétique aussi importante que celle qu'on a. Et c'est à nous aussi à proposer justement la fibre optique de partout, d'autres systèmes où il y a une diminution de la pollution électromagnétique. Donc, je vous souhaite beaucoup d'énergie, j'avais envie de vous dire, beaucoup d'énergie renouvelable pour qu'on avance sur ces alternatives, pour qu'on fasse comprendre que la pollution électromagnétique a un impact sur la santé, mais la santé One Health, c'est-à-dire aussi bien la santé environnementale que la santé au niveau des animaux et que bien sûr la santé au niveau des humains, et qu'il faut vraiment avoir des études indépendantes, il faut se battre tous les jours contre les conflits d'intérêts, et qu'à l'heure actuelle, il y a cette fenêtre qu'on a au niveau du Parlement européen, mais qui existe aussi au niveau des États membres et qu'il faut s'en saisir. Merci et bon week-end. Voilà, donc c'était le mot de la députée européenne Michèle Rivasi, qui est présidente également d'AZB et que je connais depuis 2005 lorsque nous avons créé ensemble le CRIREM en France. Donc je travaille à ses côtés au Parlement européen depuis quelques années et depuis 2019 en gros, on s'est remis sur la question des ondes, on s'est remis sur la question des pollutions électromagnétiques, on s'est remis sur la question de l'électro-hypersensibilité
afin de rendre visible, afin de faire une sorte de pédagogie active auprès des homologues de Michel Rivasi, d'autres députés européens, pour que cette chose-là, dont ils n'ont jamais entendu parler, eh ben, ils en entendent un petit peu parler, qu'ils le découvrent, et aussi que par rapport à certains discours qui peuvent exister sur cet état de santé, que ben, l'approche psy soit un petit, et psychosomatique soit un peu battue en brèche, ou en tout cas qu'on fasse entendre qu'il y a quand même beaucoup d'autres données qui existent par rapport à ça. Et enfin, c'est pour se sortir aussi d'une sorte de destin annoncé, de finalité comme ça, qui est celle de la connexion pour tous, ou en tout cas de l'environnement sans fil généralisé, et qui entraîne de fait la disparition des zones blanches, et qui entraîne de fait une augmentation de l'exposition moyenne aux pollutions électromagnétiques, notamment principalement haute fréquence, mais pas que. Donc, il y a eu plusieurs choses par rapport à ça. Avant le Covid, on a fait un ou deux événements concernant les pollutions qui venaient des satellites, puisque c'est le moment où il y a eu la communauté scientifique, notamment celle des météorologues et des astronomes, qui s'est mobilisée contre les satellites, notamment les flottilles de type Starlink de Elon Musk, et puis d'autres types de projets qui sont dans les tuyaux, et qui correspondent en gros à ce qu'on va appeler des réseaux hybrides, c'est-à-dire qu'on va interfacer ensemble, on va permettre de... Tout ça n'est vu que comme un seul et même réseau, quand bien même ce sont des technologies différentes, et en tout cas les vendeurs de satellites et les vendeurs de bandes passantes par satellite, on a les plaquettes, hein, on en dispose depuis un moment, même si la parole officielle est de dire que ça n'a rien à voir, que ce n'est pas la même chose. Ils sont sur le fait de considérer que le satellite est une des composantes des réseaux du futur par rapport à tout ce qui est sans fil et tout ce qui est société digitale et société de la connexion et de la connectivité. Donc on avait fait un atelier là-dessus avec notamment un astronome belge qui était venu nous raconter ce qui se passait, puisque les satellites de type Starlink, toutes les flottilles qui clignotent dans le ciel et qui multiplient par 100 voire par 1000 le nombre de satellites qu'on a autour de nous, autour de la planète, ça se traduit par de la pollution lumineuse, ça se traduit par d'autres formes de pollution, et y compris une pollution scientifique, puisque comme ça mord dans des bandes passantes qui sont celles qu'utilisent des scientifiques depuis 30 ans pour étudier ce qui se passe avec l'eau dans les nuages, les précipitations et machin, ça fabrique des parasites et ça fait jeter à la poubelle 30 ans de données. Donc dans une période où on parle de changement climatique et d'alerte par rapport aux précipitations et à l'eau, ça fait mauvais genre. Dans les faits, les scientifiques, on va dire météorologues et astronomes, se sont bananés par les télécoms, et dans des conférences de répartition des fréquences internationales, c'est les télécoms qui ont gagné, et la vraie science qui a perdu, et ce qui fait qu'en off, ils sont assez vénères. Et puis, entre-temps, maintenant, c'est plus la 5G qui est à la mode, c'est la 6G. Et donc, il y a la 6G qui a débuté, avec plusieurs projets, notamment à l'échelle européenne, un projet qui s'appelle EXA-X. En gros, c'est des manières de fabriquer des grosses enveloppes où on met des demi-milliards d'euros ou des 750 millions d'euros pour financer des projets pour que l'Europe soit leader en termes de brevets, en termes de technologie, et que les industriels européens soient leaders par rapport à un horizon dans 2027, 2028, 2030, qui est celui de la 6G. Donc la 6G, en gros, c'est tout ce que la 5G n'a pas encore fait, et ça va encore plus vite, et c'est encore plus connecté, et c'est encore plus petit, et ça rayonne dans tous les coins, et c'est vraiment les objets connectés dans tous les sens. Et il y a plein d'autres choses derrière en termes de... Ce qui est vendu, par exemple, sur la 6G, c'est les communications hologrammes par téléphone. Ça va être votre double numérique, c'est-à-dire en combinant ça avec le big data ou avec l'intelligence artificielle, vous avez votre réplique numérique qui existe, qui est l'agrégation de toutes vos données, qu'elles soient financières, santé, transport, et tout y quanti. Donc voilà, c'est ça le type de société digitale qui tourne. Qui se met dans les tuyaux, et ça a donné notamment, pour ceux qui les ont vus, des prises de parole de Michel Rivasi par vidéo, enfin qui ont été dans des ateliers qu'on a fait en début d'année 2023, des prises de parole de Michel Rivasi qui ont plutôt fait pas mal de buzz sur le net, entre Twitter et entre YouTube, je dis ça pour ceux d'entre vous qui ne vont jamais sur Internet et qui ne sont jamais devant un ordinateur. Et c'est des vidéos courtes qui font 5-6 minutes, où Michel dénonce un petit peu cette espèce de fuite en avant, et surtout une fuite en avant hors sol, qui est déconnectée des besoins des gens. Et donc ça a été vraiment... Il y a eu 300 000 vues, 400 000 vues, ça a été des vidéos qu'on vient de tourner sur la critique du numérique. Et il y a eu European Safe Connection, ESC, et l'initiative citoyenne sur Stop 5G. Donc c'est là où, en fin d'année 2022... On a connecté ensemble entre ce qui venait de la société civile et de plusieurs pays européens, et puis nous, du côté du Parlement européen, et ce qu'on mettait en place. Et donc, ce qui fait que sur l'année 2023, puisque c'est un peu la dernière année où on est dans le mandat européen actuel, les prochaines élections sont en juin 2024, donc c'est à partir de janvier,
l'activité au Parlement s'arrête, on va dire, puisque chacun est le nez sur le guidon par rapport aux élections qui arrivent. Alors, ils y pensent déjà le matin en se rasant ou en prenant la douche, hein. Mais en tout cas, c'est à part, on va dire que jusqu'à octobre, novembre, il y a un peu de travail législatif et parlementaire qui va se faire, et ensuite, c'est le rush, le chousse direction les élections de juin 2024. Donc sur l'année 2023, l'idée, c'était de proposer plusieurs événements qui, et ça fait le lien avec le premier point que vous avez pu entendre sur la vidéo, qui est de rendre visible, de faire connaître ce qui se passe. Donc on a fait un événement en février 2023 autour de European Safe Connection et de l'initiative citoyenne 5G, Stop 5G, de façon à faire connaître cette initiative et participer à donner des coups de projecteur pour qu'il y ait plus de signatures et qu'il y ait plus de monde qui participe à cette consultation citoyenne. Parce que dans le cadre européen, une initiative citoyenne, si elle dépasse le million de signataires avec au moins 7 pays qui atteint le quota minimum de signataires, par exemple pour la France c'est 43 000 personnes, pour le Luxembourg c'est 7 000 personnes, etc. etc. Donc si on tient comme ça des quorums ou des quotas dans au moins 7 pays européens, ça oblige la Commission à porter une réponse à cette initiative citoyenne. Il y a eu des initiatives citoyennes qui ont réussi sur les pesticides, sur l'eau dans les dernières années. Malheureusement, celle-ci a pas rassemblé assez de monde, et même si ça s'est bien mobilisé dans le dernier mois, il y a eu des bugs techniques, il y a des gens qui voulaient signer et ils avaient des serveurs qui marchaient pas, et donc il y a eu quantité comme ça de motifs qui ont fait que ben, finalement on n'a même pas atteint les 200 ou les 300 000 signataires sur cette initiative citoyenne. Et on a fait un autre événement, mais en revanche ça a permis comme ça de mettre en lien des associations qui sont venues, notamment de France, d'Italie, de les mettre en lien avec cette initiative de citoyennes qui était plutôt portée par des pays Benelux, néerlandais, pays du Nord, Suède et machin. Après, en avril, on a fait un colloque scientifique sur l'électro-hypersensibilité. Est-ce que qui l'a vu parmi vous, qui a vu des choses sur Internet par rapport à ça? Vous êtes 4 ou 5, ouais, donc une petite dizaine au niveau de la salle. Donc en gros, on a rassemblé une quinzaine de scientifiques, 12-13 scientifiques, de plein de pays différents. Il y avait la Finlande, les États-Unis, la Grèce, la France, Dominique Bellepom était là. Et c'était à chaque fois des pointures au niveau de la thématique électro-hypersensible. Et chacun faisait écho de travaux de recherche, soit d'études spécifiques, soit de vision globale sur les marqueurs biologiques, sur les aspects, sur les migraines et la dimension neurocognitive, et puis aussi sur la pollution électromagnétique en général, voire même, on a eu un scientifique britannique qui nous a raconté l'électro-réception dans la nature, comment le vivant en général se trouve à être électrosensible, c'est-à-dire à percevoir l'électricité ambiante, l'électricité atmosphérique, donc il parlait des plantes, des amphibiens, et bien sûr des mammifères, et donc du coup des êtres humains. Voilà, donc on a eu comme ça toute une journée d'intervention. Chaque intervention faisait à peu près 10 minutes avec des discussions derrière. Ça donne 4 heures d'échanges scientifiques relativement denses. Et ça a été conçu en effet pour montrer qu'il y a autre chose, il y a d'autres modèles biologiques qui existent que le modèle psychosomatique pour raconter ce qui caractérise l'électro-hypersensibilité. On a d'autres rendez-vous sur cette année qui se profilent. On a le tout prochain là, sur l'électro-hypersensibilité. Le grand prochain rendez-vous, ça va être à l'automne, sans doute en novembre, ça va être sur électro-hypersensibilité, travail et handicap. C'est-à-dire qu'on va contacter les services de la commission qui concernent la DG handicap, la DG travail, et on va les inviter à venir à bord au niveau de la discussion, et on va discuter de cette reconnaissance liée à l'handicap, on va discuter de la façon dont des EHS n'arrivent pas à travailler parce que leur poste de travail n'est pas adapté à leurs besoins. Or, si on est sur une espèce de... Parlons de doctrine peut-être, ou d'idéologie en matière de numérique pour tous. C'est-à-dire que le numérique pour tous, donc il n'y a pas d'exclus. Donc s'il n'y a pas d'exclus, faisons un numérique qui permet aux EHS, aux électro-hypersensibles, ou à ceux d'entre nous qui ne sont pas branchés sur le sans-fil, d'être à bord malgré tout. Parce que donc ça veut dire qu'on peut être connecté sans être exposé, on peut avoir la connexion sans les radiations. Et ça, ça doit être c'est un des autres messages que Michel partageait dans sa vidéo sur la fin en parlant que les alternatives existaient. Et donc cet aspect-là, on ne doit pas lâcher l'affaire là-dessus. Nous, ce qu'on a pu observer depuis 10, 15 ans qu'on vous suit, qu'on vous accompagne, qu'on croise des électro-hypersensibles, au moment où on a commencé à avoir de plus en plus de garçons qui étaient électro-hypersensibles, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui bossaient dans les télécoms et qui bossaient dans l'informatique. C'est-à-dire qu'en gros, la moitié des EHS sont des geeks, en fait. Ce sont des gens qui sont branchés numériques. C'est juste qu'ils ont été surexposés. Donc ça veut dire que d'un point de vue innovation, par rapport à des arguments moraux ou commerciaux,
les EHS, au contraire, sont, ont développé des bonnes pratiques et de nombreuses solutions, y compris techniques, pour réussir à être connectés ou pour réussir à faire du digital, pour avoir accès à du gigabit, pour faire des choses, en évitant de se rendre malade, en limitant l'exposition et les rayonnements. Donc il y a plein d'options par rapport à ça, et c'est ça qu'on compte pousser au sein de la commission, qu'on compte pousser via des directions générales. Celle qui est dans l'agenda et l'idéologie, c'est connexion pour tous et à bas les zones blanches, c'est la DG Connect. C'est la mission qu'on lui a donnée. Ta mission, elle est sous la supervision de Breton, la DG Gros, qui est la DG Croissance, Activité Économique. Et donc, ils sont vraiment industrie télécom. Et donc, c'est le numérique pour tous, avec toutes les formes de numérique et toutes les formes de sans fil. Donc, c'est eux qui poussent à la 5G, c'est eux qui poussent. Il y a des initiatives par rapport à la 6G, tout ça. Mais il y a d'autres directions générales au sein de la commission. Et il y a par exemple la DG Emploi ou les directions liées au handicap. Et donc, c'est ces entités-là qui ont des missions, elles, spécifiques, qui ne sont pas, entre guillemets, polluées par une espèce de message industriel qui est que ce qui compte, c'est développer le marché, c'est développer le business, et c'est que l'Europe soit un acteur leader par rapport aux nouvelles générations télécom, qui sont susceptibles aussi de dire « Eh oh, on a des obligations légales par rapport à ça ». Je rejoins un peu les discours et le discours que pouvait tenir Oleg Johnson depuis 2005 sur ces sujets-là, c'est que la société doit être en mesure d'apporter des réponses pour que les personnes soient incluses dans la société, et pas simplement exclues ou reléguées quelque part, même si c'est joli et qu'on respire bien et qu'il n'y a pas trop de pollution. Donc et on va travailler notamment avec des personnes qui sont les personnes contacts, les personnes responsables qui sont leaders au sein du Parlement européen, avec d'autres députés qui sont leaders sur les questions de l'inclusion, du handicap et du travail, pour que les personnes ne soient pas exclues. D'accord. Et il y a notamment en France, en tout cas, on a des bonnes pratiques par rapport à ça, vu qu'on a 200 personnes qui ont été reconnues par les maisons départementales du handicap à peu près aujourd'hui, et on en a une quarantaine d'entre elles qui ont eu des postes de travail adaptés il y a une reconnaissance par le médecin du travail de leur vulnérabilité, de leur invalidité, de leur sensibilité, et il y a une réponse au niveau de l'organisation qui est de fabriquer un poste de travail qui est adapté à leur spécificité. Donc, les bonnes pratiques existent, les solutions sont possibles, mais effectivement, il ne faut pas être dans le déni par rapport à ça. Dernier point, ça c'est un point important, c'est notre... un autre événement, très court, parce que ça sera quasiment la semaine prochaine, c'est le 28 juin, au Parlement européen, à partir de 17h, pour ceux qui ont envie d'être présents, ou ceux qui seront en mesure de venir, on fait une présentation d'un bouquin qui a été fait par une neuroscientifique qui est directrice, qui travaille avec le CNRS, qui s'appelle Servane Mouton, et qui est sur humanité numérique, et qui a sorti un ouvrage collectif, fin avril, en français, sur les écrans et la société et les gens. Et notamment les 2/3 du bouquin, voire les 3/4, c'est écrans et enfants. Ils ont fait un colloque scientifique début mai sur Lyon, qualité exceptionnelle, rarissime, un des meilleurs colloques scientifiques auxquels j'ai assisté sur le sujet depuis une dizaine d'années. Je crois qu'il doit y avoir les PowerPoints et les vidéos sur Internet. Mais on a donc proposé à Servane de venir au Parlement européen pour présenter son bouquin par rapport à ce que nous dit la science quant à l'effet des écrans sur le développement des enfants et sur leur attention, et aussi éventuellement, puisque c'est aussi documenté dans ce sens-là, les écrans commencent à être reconnus comme des perturbateurs endocriniens par rapport à leur impact sur les organismes en développement. La littérature scientifique sont là. C'est un bouquin qui rassemble une trentaine de scientifiques. Le colloque, il y avait une quinzaine de scientifiques qui étaient présents. Et donc, on va présenter l'ouvrage officiellement entre 17 et 18h30, le 28 juin prochain, au Parlement européen. On va faire circuler l'information la semaine prochaine, mais juste comme ça, vous pouvez voir un peu dans vos agendas. Rivasi, bouquin, écran, enfant, ça sera le 28 juin. Dernier point, je vous parlais de 5G, je parlais de 6G. Il y a une législation qui a déboulé cette année, ce qu'on appelle le paquet connectivité. En anglais, c'est le Gigabit Infrastructure Act, GIA. Et donc, ce paquet connectivité, pour ceux qui connaissent un peu la gouvernance politique des ondes et les cadres légaux autour de tout ça, qui en gros vise à simplifier et à accélérer le déploiement des réseaux sans fil et des réseaux, on va dire, gigabit, à l'échelle de l'Europe. Et donc, surtout, d'écarter tous les freins nationaux qui pourraient exister. Et donc, en gros, c'est le modèle français qu'on va chercher à décliner à l'ensemble des pays européens. Donc, sous couvert d'harmoniser, on enlève l'Italie qui est à 6 vols par mètre, on enlève les pouvoirs locaux qui peuvent dire non à une antenne relais, on enlève des obligations de déclaration au préalable, etc., etc.
Donc là, on a découvert ce texte il y a un mois et demi, parce que c'était quelque part ailleurs dans le Parlement européen. Il y a des commissions droits de l'homme, des commissions environnement, des commissions transport. Celle-ci, elle était dans la commission industrie. Et donc, c'est dans un couloir que j'ai vu passer l'information qu'il y avait quelque chose comme ça qui arrivait par la commission industrie. Et donc, on est en train de bosser sur des amendements dessus, au sujet du numérique pour tous, au sujet, bien sûr, pour restaurer les pouvoirs locaux. C'est ce qu'évoquait aussi Michel Rivasi dans son message, là. Pour veiller à ce que les pouvoirs locaux, en termes de subsidiarité, en termes de démocratie locale, aient le droit de ne pas être d'accord avec ce qui arrive par en haut, par l'Europe, et surtout, aient le droit de piocher pour des solutions et d'infrastructures qui ne rayonnent pas ou très peu, et pas des solutions qui rayonnent beaucoup. Et encore une fois, sur cet aspect entre rayonner peu et rayonner beaucoup, technologiquement, c'est possible. Vous le savez, ou vous vous en doutez. Mais en tout cas, comme ça fait 4 ans que les opérateurs télécoms pleurnichent en disant on ne peut pas déployer la 5G si on n'augmente pas les seuils et les niveaux d'exposition des gens. C'est totalement faux. Il y a un rapport qui a été produit par les autorités suisses il y a 4 ans qui passe en revue 5 scénarios différents de déploiement de la 5G en Suisse. Sur ces 5 scénarios, il y en a 3 qui explorent sur des valeurs d'exposition moindres, y compris à 6 vols par mètre. Si on raisonne que la 5G est possible, il est possible d'avoir de la 5G à 6 vols par mètre. Ça suppose d'avoir beaucoup d'antennes, qui rayonneront pas beaucoup chacune. Et surtout, ça suppose que, du coup, le déploiement va mettre plus longtemps. Donc, du point de vue des opérateurs de télécom, ça va être trop lent et ça va coûter trop cher. Mais du point de vue de la collectivité, qu'est-ce que ça signifie? Si le déploiement, il coûte 5 fois plus et qu'il met 10 ans au lieu de mettre 1 an et demi, ça veut dire que pendant 10 ans, vous avez des emplois locaux. Ça veut dire que vous fabriquez du bien-être électromagnétique, et vous fabriquez de l'emploi et de la richesse locale que vous pouvez partager au niveau de la communauté. Et ça, c'est là où il y a un petit truc qui n'est pas très correct dans la façon dont les opérateurs télécom ne jouent pas le jeu de la société, ne jouent pas le jeu du collectif, et ne jouent pas le jeu des communautés, des populations dans lesquelles ils déploient, ils installent à toute berzingue les antennes. Okay. Donc voilà, ça c'est le GIA, et donc c'est le 29 juin qu'on va déposer les amendements, ça va être des votes et des signatures qui ont lieu en septembre, et on va évidemment travailler avec les associations pour mettre en place un peu des messages clés qui seront sans doute traduits dans plusieurs langues, de façon à ce que les associations locales s'adressent et interpellent les élus européens pour se faire connaître, attirer leur attention et leur demander en faveur d'inclure et de voter pour des amendements et des modifications du texte qui visent bien sûr à mettre en place une infrastructure à moindre rayonnement pour que nous puissions avoir la connexion sans les radiations. Voilà, merci. Je crois qu'il y a un temps de questions-réponses. Hein. On va faire des questions courtes peut-être, qui durent une minute, comme ça je fais des réponses courtes, et comme ça il y a plein de questions. Quelques éléments des noms de bouquins, les noms de les apps, de ce que vous dites, concrètement, dans ce que vous venez de dire, il y a des tuyaux pour soit écouter, soit acheter, soit ce serait possible de le mettre sur un papier pour qu'on puisse le référer après. Alors, pour pouvoir vous partager avec vous les sources, les liens, les références des ouvrages ou des vidéos ou des textes législatifs dont je vous ai parlé, oui, je pense qu'auprès de David, il n'y aura aucun problème pour que David centralise l'information et fasse circuler l'information par papier et par électronique pour ceux qui souhaitent en disposer, oui, bien entendu. Je vous envoie une lettre à tous, bien entendu. Avec une USB pour les vidéos. Le livre s'appelle Humanité et numérique. Donc si vous tapez sur internet, vous le trouvez. Humanité et numérique, il est sorti en avril 2023. Ouvrage collectif de très bonne tenue, très accessible, très complet, super. Voilà, alors, aussi, et le texte législatif dont je vous parlais, c'est le Gigabit Infrastructure Act. En français, c'est paquet connectivité. Et on n'en entend pas beaucoup parler. Et pourtant, c'est du lourd par rapport à ce qui nous préoccupe. Voilà. Et alors, on mettrait tous ces éléments-là dans la newsletter de fin d'événement, d'une part, et puis d'autre part, si vous regardez la vidéo, enfin, si vous souhaitez revoir cette conférence, ce sera probablement aussi dans la description de la vidéo. Voilà, on essaiera d'amener l'information pour les personnes qui regarderont en ligne également. C'est possible de dire des questions dans le micro? Oui, alors je répéterai les questions dans le micro, bien sûr. Donc là, la question, c'était d'avoir les informations relatives à tout ce que Maxence a mentionné. La question suivante, je vois, oui, monsieur. Je pense que le pendant du livre dont tu as parlé, c'est-à-dire Servan Mouton, c'est Annelise Ducandin qui a écrit un bouquin sur les tout petits enfants face aux écrans. Et je pense que ça résume assez bien la situation, justement, dans ce domaine. Et ça peut intéresser à la fois les parents,
les enseignants, les enfants et évidemment les écoles. Oui, alors pour compléter... Attends, donc, d'abord écoutez. Deuxième problème, c'est-à-dire que moi je suis un peu en total désaccord avec ce que tu as dit au niveau de la possibilité de faire en sorte que les personnes ne soient pas exclues. C'est pas que je ne veux pas que les personnes ne soient pas exclues, c'est parce que je ne crois pas du tout à la déconnexion à partir de... je crois plutôt qu'il faut se battre pour une déconnexion. C'est-à-dire qu'actuellement... on est dans le sens de ce qu'on appelle le progrès. Et pour moi, ce n'est pas un progrès, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être faire une marche arrière dans ce domaine, au niveau du numérique, c'est-à-dire vraiment faire un droit à la déconnexion. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout mis en avant. Oui, alors, je vais répéter l'intervention. Le premier élément, c'est le conseil d'aller écouter, enfin lire plutôt, mais elle a aussi fait des interviews, Anne-Lise Ducanda. Qui est donc une médecin généraliste qui alerte sur le danger des écrans pour les tout petits nourrissons et pour les enfants, et qui effectivement explique ça très bien, bien vu effectivement de pointer vers cette personne qui fait ça très bien. Et puis d'autre part, en plaidoyer pour la déconnexion, effectivement, mais donc là, bon, je te laisse réagir, mais j'imagine qu'au niveau européen, la tendance malheureusement ne va pas vers ce qu'on souhaite, donc il faut se battre pour, hein, y a pas de secret. Moi, je vais être d'accord avec votre analyse sur du long terme, quand bien même il faudrait que ça soit en place dès que possible. Sauf que nous sommes embarqués dans un train qui a une telle vitesse et une telle célérité que, hormis le fait que ça déraille, c'est-à-dire que ça soit un accident technologique qui échappe à la dimension humaine, que ça soit des coupures de courant généralisées ou d'autres facteurs qui interviennent en ligne de compte, nous sommes confrontés à des rationalités, à des mobilisations de moyens qui vont s'exercer de toute façon. Et donc, par rapport à ça, comme on part de très très loin, puisque Michel le rappelait dans son intervention vidéo, les politiques, les décideurs, partons du principe qu'ils sont de bonne foi, ignorent tout ce qui concerne l'électro-hypersensibilité, ignorent tout ce qui concerne la médecine électromagnétique et l'électrophysiologie du corps humain. Okay, et on ne parle même pas du vivant, des insectes et des arbres. Donc, réussir à mettre en place une législation qui soit protectrice ou qui aille dans le sens du bien-être électromagnétique du vivant, c'est malheureusement... à court terme ou moyen terme, c'est-à-dire pour les deux ans qui viennent, c'est pas dans les tuyaux. Et comme c'est pas dans les tuyaux, comment on fait? Et donc c'est pour ça qu'on œuvre à utiliser toutes les fenêtres qui sont en train de s'ouvrir à nous actuellement, à l'échelle du Parlement européen. Et puis il y a d'autres actions politiques possibles, mais ce qu'il y a de sûr, c'est en tout cas ce que montre l'exemple français. L'exemple français, il y a 10 ans, on gagnait des procès par rapport à des installations d'antennes. La loi est changée, on a retiré du pouvoir aux pouvoirs locaux, et maintenant, il n'y a plus de procès qui sont gagnés, et les antennes, elles ne sont même plus déclarées avant leur installation. Et donc, par rapport à ça, agissons de façon à désamorcer certains risques que nous pouvons pressentir. Merci, Maxence. Alors, on va clôturer les questions-réponses ici, parce qu'on a encore pas mal de sujets à aborder cet après-midi. Maxence ne disparaît pas, hein, il est encore accessible par la suite, s'il y a encore des questions, donc... voilà, et puis de toute façon, on va recroiser Maxence à de nombreuses rencontres par la suite. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.